boulot sur le chantier là. Je suis un peu essoufflé, je suis en train de gratter le godet. C'est bien beau d'avoir des gros godets, mais quand il faut le gratter, c'est tout. Donc hier, on a commencé à décaisser, donc là il y aura un parking camion et plus le chemin qui sera agrandi du coup pour descendre en bas. Du coup là où je marche, la fondation est normalement encore bonne, on va juste gratter la merde qu'il y a au-dessus. Donc les 3-4 premiers centimètres, on va les enlever. Et en dessous c'est bon, c'est nous qui l'avions fait il y a quelques années. Donc en fait on a grandi juste quoi. Là on a élargi encore une fois de 2,50 m sur tout le long. Là. Alors là il reste une vingtaine de mètres encore à faire et après on peut attaquer le remblaiement. Voilà, là ce que moi je fais en fait, c'est à la place d'attendre bêtement dans le tracteur, je sors à chaque fois et je regarde 2, 3 ou 4 points au laser pour voir et pour donner les infos à Max pour qu'il sache s'il faut encore qu'il descende ou pas. Pour voir s'il faut qu'il remonte, s'il est trop bas. C'est difficile de remonter, il y aura un peu plus de gravier, mais voilà. Au moins pour lui dire, pas descendre plus bas quoi. Donc là moi je vais de nouveau vider et je vais en profiter, déjà je suis en bas, je vais remonter le tas de terre pour qu'on gagne un peu de place parce qu'on a encore pas mal de terre à sortir et pas qu'on se retrouve bloqué par après.
là je vais partir pousser la terre. Il est 13h, on vient de manger, donc là on a fini le décaissement ce matin et là on commence à remblayer, du coup on a mis un col géo avant de manger et du coup là on met le gravier. Il y a Alex là qui est en train de venir avec la crampe pour baigner le gravier et moi au fur et à mesure du coup j'étale le gravier et il n'arrive pas à suivre, donc enfin c'est assez loin le trajet, du coup je vais l'aider de temps en temps en cherchant une benne quoi. Du coup là Alex il vient d'arriver avec un chargement de à peu près 22 tonnes. Donc moi au fur et à mesure je vais étaler ça et après il y a Enzo, donc l'apprenti qui va plaquer derrière. Je vais aller chercher une benne aussi du coup là. J'ai un peu d'avance. J'ai fini d'étaler la première et puis il n'était pas encore là. Du coup, je descends en chercher une pour avoir un peu d'avance. Charger la benne là, donc moi je mets à peu près 14 tonnes, ouais 13-14, ça dépend comment je charge les godets. Alex lui sur la crampe il met entre 18 et 20 tonnes, donc on vient seulement de commencer, il y a encore un beau petit tas. Donc là il faut que je roule jusque là-haut. Il faut calculer à peu près 10-15 minutes l'aller-retour. À peu près. Donc là je viens juste de bainer là. Donc je remonte de la libère et je vais continuer à étaler.